Sono cresciuta in Basilicata, in provincia di Matera, e si trova al sud d'Italia. J'ai grandi dans la région de Basilicata, province de Matera, dans le sud de l'Italie. Et déjà toute petite, je passais mon temps à dessiner et créer des choses. J'avais aussi à mes côtés une famille qui m'a permis ce côté créatif de ma personnalité. Et quand j'étais petite, je jouais pendant des heures du piano. Je fréquentais le conservatoire de Matera, puis le lycée artistique, où j'ai privilégié ce qui a été la partie la plus visuelle de mon développement artistique. À 19 ans, j'ai déménagé à Milan, où j'ai intégré l'Académie des Beaux-Arts, dont je suis sortie en 2010. À partir de là, j'ai commencé à exposer dans les galeries d'art. Et ma voix a été celle des arts visuels, de la peinture figurative. Ilaria Del Monte vit et travaille à Milan. Sa peinture est onirique, imprégnée d'une certaine mélancolie. Les figures féminines y sont omniprésentes, semblant appartenir au passé et au présent, au rêve et à la réalité, évoluant dans des espaces à la fois familiers et inquiétants, suggérant des scènes de vie rythmées par un jeu d'ombre et de lumière qui rendent ces toiles énigmatiques et mystérieuses. Je crois que pour les artistes, il y a une nécessité latente de devoir exprimer quelque chose qui vient d'eux-mêmes ou de l'esprit de la société dans laquelle on vit. Ou alors des deux en même temps, donner à lire l'esprit du temps à travers leur propre expérience et leur propre langage. Dans mon cas, il n'y a pas eu un moment précis où j'ai imaginé m'engager dans ce parcours. Ça a été une évolution plus lente. Dans mon enfance, j'aimais beaucoup dessiner, d'abord, et m'exprimer à travers d'autres pratiques comme la musique. Et je remercie ma famille qui a toujours soutenu cette démarche. Ilaria Del Monte est née à Taranto, dans le sud de l'Italie, en 1985. À 11 ans, elle intègre le conservatoire de musique de Matera, où elle étudiera le piano jusqu'à 16 ans, avant de décider de se consacrer au dessin et à la peinture. Diplômée en art visuel de l'Académie des Beaux-Arts de Brera, elle s'installe à Milan et participe depuis 2010 à de nombreuses expositions collectives et personnelles en Italie et en Europe. Mes œuvres naissent de ma façon de penser, qui est très proche de la construction d'images. J'ai un système de représentation mentale qui utilise beaucoup les images. Donc, pour comprendre quelque chose, je dois passer par la construction d'un schéma. Très souvent, il arrive que j'ai une idée de comment devrait être un tableau, de comment ça devrait se mettre en place. Et cette idée me reste dans la tête pendant des jours, parfois des semaines. Durant ces semaines, où je pense sans cesse à ce tableau que je voudrais réaliser, je vois des choses, je me nourris d'autres choses, des films, des œuvres d'autres artistes qui contribuent à la construction finale de ma peinture. Donc il y a beaucoup de références, de citations. Parfois ça peut être l'image d'un film qui m'a touchée. Ou par exemple, près de mon village, il y a un village abandonné qui s'appelle Krak, où on peut visiter les maisons qui, au fil du temps, se sont délabrées. Cette notion du temps qui passe me plaît beaucoup. Ça me met en relation avec quelque chose qui est en rapport avec l'existence. La technique que je privilégie est l'huile sur toile, même si dessiner me plaît aussi beaucoup. Donc avant de commencer un tableau, je fais beaucoup de dessins pour le construire et créer les différents éléments de cette peinture clairement dans mon esprit.
Ad olio su tela ho iniziato a dipingere quando ero molto giovane. J'ai commencé à peindre des huiles sur toile quand j'étais très jeune. J'ai beaucoup expérimenté avant d'obtenir des résultats. C'est une technique difficile qui joue avec les nuances de couleurs, les contrastes. Et avant d'obtenir les premiers résultats, il faut beaucoup d'apprentissage et de pratique. Thank you.